dans les épisodes précédents. En parquant ! En parquant ! En parquant ! En parquant ! Jarl, pourquoi partir ? On a tout ici. Pourquoi aller là-bas ? Pourquoi ? On doit y retrouver Ivar et son clan pour mener à bien son raid. Seigneurs de cette terre infâme, ou alors allons-nous nous y soumettre avec honte, confions notre sort à Odin. On en aura bien besoin. Thorvald, les francs. On va se faire repérer maintenant avec ces idioties. Vous croyez que les assommés ? Que vois-tu, la Volva ? Ce matin, une vision m'a été envoyée par les dieux. Mais ouais, Volva, quand on voit, on nous mène tes visions. Même pas capable de voir que nous allions couler et nous échouer ici. Rien à foutre ! Je veux du franc ! Tu vas te taire ! Ou la prochaine fois, tu la prends ! Continue, Astrid. Nous sommes loin des camps ennemis. Mais... nous allons perdre l'un des nôtres. Oh non ! Il n'y a plus de froid ! Il n'y a plus de froid ! Il n'y a plus de froid ! Celle-là, t'aurais dû la prendre avant. Oh oui, oui, oui ! Une deuxième ! Ça suffit, Erika ! Sinon la deuxième, elle est pour toi ! Jarl, on ne va pas pouvoir continuer comme ça longtemps.
Il faut absolument que l'on trouve un endroit où établir notre campement. Écoutez la Volva au lieu de l'interrompre. Et le prochain qui l'ouvre, je lui coupe la langue. C'est compris ? Ya ? Je veux bien me porter volontaire pour la lui couper. Tu n'auras pas besoin pour porter son bout de bois ridicule. Ne l'écoute pas. Ce n'est pas qu'un bout de bois ridicule. C'est notre drakkar. Il a des pouvoirs magiques et il me parle. Par Odin, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Astrid, continue ce que tu avais à nous dire. Je ressens quelque chose de puissant et de très familier non loin de nous. C'est là que nous devons nous rendre. Et des réponses à nos questions nous trouverons. Ivar s'y trouve peut-être ? Et nous attend dans son camp ! On s'en fout d'Ivar ! Regardez où ça nous a mené avec son raid ! Vous l'avez dit qu'on était mieux chez nous. Rolf, cesse de te plaindre. On dirait un franc. Astrid, sommes-nous loin de ce lieu ? Par là-bas, en direction du sud. Mais il nous faudra une bonne journée de marche. Les amis, à table, ramassez vos affaires et on y va. Nous sommes bientôt arrivés. Vivement que l'on retrouve Ivar. Ah, je sens d'ici la bonne odeur de la barbaque qui cuit. C'est bizarre. D'habitude, c'est Yorick qui nous dit qu'il a faim. D'ailleurs... Thorval, je ne vois plus Yorick. Où est-il ? Rolf ? Pourquoi tu me poses la question ? J'en sais rien, moi, je suis pas sa mère. Mais aux dernières nouvelles, il était derrière toi. Et voilà, il manquait plus que ça. Après... On n'est pas obligé d'aller retourner le chercher. Il nous sert à quoi ? Hé, la Volva, j'aimerais bien savoir, tes visions, à quoi elles nous servent ? À part nous mettre dans la merde. Je vous avais prévenu ! Mais si tu arrêtais de m'interrompre, Erika ! Calmez-vous ! Ce n'est pas le moment de se chamailler. Jarl, c'est à toi de décider. Je n'abandonnerai jamais l'un des nôtres. Mais croyez bien que Yorick va regretter de nous avoir fait perdre notre temps. Si on le retrouve... J'ai hâte de voir ça. Plus de bouffe avec Ivar. Qui sait, il les a peut-être retrouvés. Mes amis, demi-tour et on y va. Je suis sûre que c'est Yorick. Cet idiot n'a même pas conscience du danger. Il veut attirer tous les francs. Thorvald, avec ses conneries, on va tous se faire tuer. Fais-moi confiance. Avec la leçon que je vais lui donner, il sera pas prêt d'oublier. Et les francs seront le dernier de ses soucis.
On va pouvoir enfin grailler. Ah, mes amis. Qu'est-ce que j'ai Viens, fait je t'en prie. C'est notre drakkar. Il m'a mené jusqu'ici. Regardez l'endroit merveilleux qu'il a trouvé. On pourrait presque s'installer. J'ai même fait la connaissance de Diri. Non, non, les amis, c'est pas un ennemi. Il est comme nous, perdu sur ces terres depuis le raid. Il était avec Ivar. Où sont les autres? Tu es le seul survivant? Après notre débarquement, nous sommes fait attaquer par une horde de Francs. De petits vivants comme moi, vivant caché. Mais Ivar n'est pas mort. Je suis sûr que notre drakkar va trouver où sont les nôtres et Ivar. Comment se fait-il que le drakkar t'ait parlé à toi? J'ai vu la Volva parler à drakkar. Et je me suis dit qu'il pouvait aussi me parler. Mais de quoi parle-t-il? J'ai protégé notre navire en le rendant invisible aux yeux de nos ennemis. C'est donc toi qui es à l'origine de cette brouillasse. Je comprends mieux pourquoi on n'y voyait rien. Ouais, on n'y voyait tellement rien qu'on a coulé. Et voilà où on en est. Merci, la Volva. Ce n'est pas moi qui l'ai fait échouer, mais bien la volonté des dieux. Au milieu de ces sauvages de fond. La nuit va bientôt tomber, Jarl. Ne ferions-nous pas mieux de rester ici pour la nuit? Et nous repartirons à l'aube pour trouver Ivar. Vous avez trouvé Ivar? Astrid a eu une vision d'un lieu important. Mais on a été obligé de rebrousser chemin. Pourquoi? Il y avait des Francs? Non, juste un idiot à retrouver. Ah oui? Qui? J'espère qu'on va vite retrouver Ivar. J'en ai marre de pas bouffer à ma faim. Je suis en pleine croissance, moi. Et tu crois vraiment qu'Ivar nous attend avec un banquet? T'inquiète pas, Thorolf. Fais confiance à Yorick et son drakkar pour nous préparer à notre retour un bon festin. J'espère qu'on va pas tomber sur une garnison de Francs, car on ne sera pas assez nombreux. Rien de mieux qu'une bonne baston pour m'ouvrir l'appétit. Ce champ d'engin en forme de cercle. On va nous as-tu mené? Voir quel sera notre destin. Tu m'as pas répondu, Astrid. Où sommes-nous? Je ne vous ai jamais dit qu'on y retrouverait Ivar. Mais que ce lieu m'était familier. C'est ici que toutes les énergies se relient. Je peux étendre mes pouvoirs de prédilection. Visiter le passé, le présent et le futur de chacun de vous. C'est mort ici! On se fait chier!
À condition que je puisse me concentrer. Tu veux que je te fasse autre côté? Non. Alors sois sage. Heureusement que tu n'as pas pris Erika avec toi. Ça ne peut plus durer. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Personne n'aurait pu le prévoir. Profitons de ces moments de paix avant d'aller voir là. Il est sérieux? Moi, je veux pas crever ici. Moi non plus, je veux pas crever ici. La Volva avait raison quand elle disait que notre avenir était incertain. Rolf avait raison. On va tous claquer ici. Venez écouter la Volva. Ça va, on est bien ici. On a une bonne vision en cas d'attaque. Moi, j'ai une avis pressante. Bande de mauviettes. Personne ne me traite de mauviette. Et on touche pas la moumoute.